Bonjour. Donc oui, effectivement, Terre de Jeux, c'est une labellisation qui consiste à mettre un peu plus de sport dans la vie des Français jusqu'à l'arrivée des Jeux Olympiques de Paris 2024. La ville du Barp étant une ville très sportive et très active en termes d'associations sportives, a souhaité être labellisée Terre de Jeux. Et surtout à faire vivre cette labellisation grâce aux associations sportives et olympiques de la commune. Salut. Bonjour. Bonjour. Moi du coup je fais du foot depuis 4 ans au football club du Barp. Et je suis gardien. D'accord. Ça fait combien de temps ? 4 ans. 4 ans. Et est-ce que tu peux me citer 3 noms de joueurs connus ? Mbappé, Ronaldo et Messi. Donc bonjour, Mathieu Perrier, président du rugby club Barpé. On s'est surnommé les Barp Barians, en hommage aux Barbarians que vous devez certainement connaître. Ils sont une grande équipe de rugby à 15. Donc nous, on joue au rugby à 5. C'est du rugby à tout G. C'est un rugby qui est un jeu très épuré, dépourvu de plaquage essentiellement. C'est ce qui en fait la spécificité. Donc en fait, le plaquage est remplacé par un toucher à deux mains sur le haut du corps. Et une fois qu'un joueur est touché, il va poser le ballon au sol et un relayeur va venir... relayer, c'est-à-dire va faire office de demi de mêlée et il va pouvoir relancer le jeu. Aujourd'hui donc c'est la première édition de Terre de Jeu 2024 au Barp. Ça faisait partie de notre programme de valoriser le sport dans la commune. Et pourquoi valoriser le sport ? Parce que nous avons énormément d'associations sportives. Aujourd'hui ce sont près de 14 associations et 14 sports différents qui seront représentés aux Jeux Olympiques, donc que nous mettons en valeur. Donc pour cela, nous travaillons aussi au niveau de la commune pour avoir de meilleures infrastructures, avec un dojo qui va venir, un bâtiment pour la gym volontaire. Donc c'est un sujet très important pour nous parmi tant d'autres. Est-ce que vous êtes un sportif ? Ça se voit, non ? Bah oui, un petit peu quand même. Ouais, il me semble que je peux pas dire plus, non ? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bien. Quelle importance a le sport dans votre vie ? Alors le sport, c'est la vie. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Le sport, ça entretient, vous voyez, ce corps. Le sport, c'est le dynamisme. Le sport, c'est le sourire. Alors merci Valérie. Donc si j'ai bien compris, vous êtes ancienne championne olympique d'escrime. Est-ce que vous êtes contente de revoir les Jeux Olympiques d'été en France en 2024 ? Oui, je suis très contente, très fière aussi que voilà, la France et notamment Paris puissent organiser les JO de Paris 2024. Et puis très fière aussi du volet héritage qui est le parti pris par le comité d'organisation en phase de candidature pour faire en sorte que ces Jeux, s'ils se déroulent à Paris, rayonnent sur l'ensemble de notre territoire français et qu'ils puissent être l'occasion à la fois de révéler toutes ces pépites mais aussi de fédérer le plus grand nombre autour du sport et des valeurs du sport. Alors, on mange quoi de bon à l'Amicale des Pompiers ? Alors, il y aura la saucisse merguez, ventrèche, hot dog et des frites. Puis un brownie en dessert. Cool ! Avec de la bonne humeur ? Toujours. Super. Merci.